La vie intérieure, c'est une découverte que l'humanité a faite, aussi bizarre que ça puisse paraître. Les philosophes situent, en gros, la découverte de la vie intérieure avec saint Augustin. Avoir découvert la vie intérieure, c'est avoir découvert l'absolu, le sens de l'absolu. C'est le jour où l'humain s'est dégagé du monde et de ses exigences immédiates, qu'il s'est tourné vers les absolus que sont la beauté, la justice, toutes ces grandes idées. C'est là où il a découvert que finalement l'essentiel de ce qui le constitue, c'est ce dialogue de soi avec soi, la pensée. Penser, c'est entrer en dialogue avec soi-même. Et ça, ça a été vécu dans l'histoire, au moins de l'Occident, comme une découverte qui a constitué résolument l'idée d'humanité. Dans un monde qui apparaît extrêmement menaçant pour les valeurs de l'humanisme, la mission, elle est d'alerte, d'abord, essayer de mobiliser, de sensibiliser mes contemporains et éventuellement d'offrir des perspectives. Alors, l'alerte, c'est pas facile. Dire aux gens que finalement ils ont tort de céder à un monde dans lequel les automatismes sont prévalents, leur dire qu'ils ont intérêt peut-être à se méfier, y compris des grandes promesses comme celle de l'éradication de toutes les maladies ou même la perspective de l'immortalité. Donc il faut être, pour une part, esprit chagrin lorsqu'on est philosophe dans un monde comme le nôtre. Quelle perspective est-ce qu'on peut offrir aux gens? Personnellement, ce pourquoi je milite, par exemple dans le secteur de l'éducation, c'est pour le regain d'intérêt pour la littérature. La littérature, pourquoi? Parce que les écrivains sont des gens formidables pour nous expliquer que l'être humain est compliqué. Je ne dis pas complexe. Il est compliqué, c'est-à-dire que l'être humain, il est toujours imprévisible. L'être humain, il est le produit du hasard. Vous pouvez lire trois fois la Chartreuse de Parme, vous retrouverez des choses différentes à chaque fois, parce qu'on n'est pas dans une rationalité analytique où une cause produit un effet. L'humain est beaucoup plus compliqué que cela, et enseigner la littérature aux jeunes, dans les universités, dans les lycées, dans les collèges, c'est leur donner des éléments pour résister à la simplification de l'humain à laquelle porte l'usage des machines. C'est peut-être la chose la plus utopique qui soit que d'imaginer que nous soyons capables politiquement de mesurer la joie de vivre, et d'évaluer les systèmes politiques en fonction du coefficient de joie de vivre qu'ils sont capables d'impliquer. Donc il n'y a pas de réponse ici. C'est plutôt une posture au sens positif du terme dont il est question. Ne jamais se déprendre de l'idée que la joie permet d'augmenter la puissance d'agir, comme disait Spinoza, et que la joie doit toujours être un paramètre dont on doit tenir compte dans ce que l'on met en œuvre. Donc on pourrait prendre les choses à l'inverse et se demander si telle ou telle mesure politique, telle ou telle mesure administrative, telle ou telle mesure communicationnelle est ou non susceptible d'ouvrir les gens sur le mieux, sur le plus que. Ces mesures sont porteuses de cette générosité qui fait qu'on est beaucoup plus dans le monde.